choses qu'on doit savoir, c'est en fait l'utilisation du bateau. Alors, à partir de cette utilisation, dans les plans que nous avons, ou dans un nouveau plan, on fait l'avant-projet du bateau. Là, on avait un aménagement déjà fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas un avant-projet à petite échelle totale, mais dans d'autres cas, on fait l'avant-projet en même temps qu'une forme approximative, cadrant dans les longueurs et dimensions hors tout, longueur, largeur du bateau. Ce plan de forme représente peu de temps dans la réalisation totale de l'étude d'un bateau. Un plan de forme, ça représente à peu près 10% du temps dans l'étude d'un bateau. C'est à la fois un plan qui est un aboutissement de connaissances générales, mais c'est aussi à partir du plan de forme que l'on va faire, ça représente donc la forme extérieure, et c'est à partir de lui que l'on va faire les détails de structure du bateau. On a là le plan de voilure du bateau. En fait, c'est le plan de voilure final auquel on a abouti, et c'est le plan de voilure réel du bateau existant. On a un bateau avec un tirant d'eau profond, plus profond que le tirant d'eau du bateau d'origine, pour avoir un bateau faisant un cap, une remontée au vent meilleure. Là est représenté le plan de pont. Donc il a à l'arrière un petit cockpit dans lequel il y a une barre à roues qui commande presque directement l'axe de la barre qui est là. Après ça, un panneau qui permet de descendre dans la cabine arrière, un grand cockpit uniquement pour les manœuvres, avec les winches disposées tout autour, et un grand coffre de rangement, une descente vers le carré du bateau, les renvois de certaines drisses au cockpit passant sous le rail d'écoute, les positions des tangons, normalement il y en a deux, un de chaque côté, il n'y en est représenté qu'un seul. Et là, ce sont des panneaux. Là, c'est un grand panneau de 800 par 800 qui sert à sortir les voiles de la soute à voile. Et ici, c'est une trappe pour ranger l'ancre et le guindeau. Alors là, c'est le plan technique du gouvernail. Des plans comme ça, dans un bateau comme le bateau de M. Clidière, il doit y en avoir au moins 20 à 25 des plans techniques de ce style, qui font aussi partie de l'étude proprement dit, et c'est même une des parties longues de cette étude. L'étude d'un bateau en nombre d'heures, et je parle là des nombres d'heures passées à la planche à dessin ou à faire des calculs, représente de 500 à 800 heures. Dans ces 800 heures, bien sûr, le plan de forme doit représenter à peu près 70 à 80 heures maximum. Tout le reste étant toute la préparation, toutes les études, les devis de poids, 30 à 40 heures. Le bateau, c'est un objet de plaisir, tout au moins le bateau de plaisance, c'est un objet de plaisir, il faut que ce soit beau, il faut donc que cet ensemble soit beau à l'œil, et en plus, fonctionne de manière équilibrée en fonction de l'utilisation du bateau.
On a donc descendu le bateau à Vernon par l'Oise et la Seine pour l'aménager dans un chantier qui appartient à un de mes amis qui est ébéniste et lauréat de l'école Boulle. Ce bateau a une vocation d'enseignement de la croisière roturière. On voulait des installations qui soient solides, mais cependant légères, agréables et fonctionnelles. Le bateau était conçu pour recevoir 10 équipiers et on a mis 3 mois à réaliser tous les aménagements. Une grande cabine arrière, la cabine du propriétaire, avec une couchette double. Le cockpit avec d'un côté un lavabo, un WC, une petite salle d'eau, une seule pour tout le bateau. Une petite cabine à 2 couchettes. Une cuisine, un coin de navigation avec table à carte, 2 bannettes et 2 couchettes bannettes, 2 sièges couchettes éventuels qui servent de sièges de carré. Une autre cabine avec 2 couchettes, éventuellement 2 de plus en supérieur, et puis une soute avant pour ranger les voiles. L'accastillage, lui, a été choisi surdimensionné, parce que le bateau navigue 4 à 5 fois plus que les autres. Le plan de pont a été choisi très dégagé, pour que chaque équipier ait le maximum de surface disponible pour manœuvrer. Le pont est équipé de 14 winches, et naturellement, il y a des rails d'écoute de Alba, des rails d'écoute de Grand Voile, les rails d'écoute de Foc. Le mât fait 16 mètres de hauteur, il est en alliage léger et cependant pèse 400 kg avec les câbles. Il est équipé pour le faux étai et pour le patara de vérins mécaniques qui permettent de le régler facilement. Arnaud, t'as pris les coudes ? Sur le crâne, là, mais je sais pas, c'est ça. Il est pas mis le Alba avec cette histoire. Merde. Thank you.
on est ordonné, nous, on écoute le skipper, on n'a rien à dire.